Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va tenter une expérience que j'ai déjà vue sur YouTube il y a maintenant 3 ans je crois. C'était Capucine de la chaîne Tree Earth qui avait fait cette vidéo là. Elle avait pris son poney Ace et elle est partie faire du roller avec lui et je me suis toujours dit un jour il faudra que je tente ça avec Bilbao. Et bah c'est aujourd'hui, voilà. On va aller prendre Bilbao, j'ai des rollers, j'en ai trouvé parce que bah j'en avais pas avant et vu que j'en ai, bah voilà, on va tenter ça. Je suis un peu stressée parce que bah j'ai jamais fait ça avec Bibi. On va voir ce que ça donne, je vous emmène avec moi, là on va prendre le licol, on va aller le chercher et le préparer et on est parti. Monsieur Bibi est prêt, là on va partir déjà simplement en longue graine sans les rollers parce qu'on va aller vers un chemin où il n'y a pas de voiture, au moins il y a moins de risques qu'il y ait d'accident ou autre, que Bibi ait peur des voitures. Et d'un côté ça va nous permettre de voir comment il est, s'il est déjà bien à l'écoute ou pas, s'il est sage. Et ensuite on mettra les rollers au pied et on testera tout ça. On est parti. Viens Dodo. Allez hop. Ça a l'air de bien se passer avec Bibi. On va voir une fois qu'on sera arrivé. Allez Dudou, on mange pas tout de suite. Une fois qu'on sera arrivé et que je vais mettre les rollers, comment il va se comporter, parce que bah, là c'est pas pareil, je suis à plat, donc s'il faut que je l'arrête, j'y arrive facilement, mais avec les rollers ce sera pas pareil. J'en sais rien. Allez Dudou. On s'est pris un peu la pluie en descendant, là le soleil est revenu donc j'espère qu'il va rester
avec nous. Là, je viens de reprendre un peu les longues rênes avec Bibi pour voir s'il était de nous toujours concentré avec moi dans le travail. Il a été top durant le chemin. Il a quasiment pas eu peur. Moi, j'appréhendais surtout avec les voitures, voir s'il allait paniquer. Et franchement, il a super bien géré. Il est très, très calme. Je suis vraiment super fière de lui. On va aller mettre les rollers. Je vais déjà faire moi toute seule quelques tours. Si j'arrive à tenir debout, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de roller. Et ensuite, on prendra Monsieur Bibi et on sera parti. Bon, je crois que ça va promettre. Je gère quand même plutôt bien, je sais pas ce que vous en pensez. Oui. Au revoir. T'as vu, regarde ce que c'est. Bon, ça va que j'ai l'herbe. Quand je vais dans l'herbe, j'arrive mieux à m'arrêter si vraiment je vois que ça va pas. Mais du coup, il y a une petite. Quand on redescend va, là, il y a une petite pente. Et du coup, je le sens en fait dans les rollers que j'ai pas de facilité à m'arrêter, que comme si j'allais dans l'autre sens. On va commencer avec les longues rênes. Je vais quand même garder la longe autour de Bibi au cas où s'il y a un problème. Et du coup, c'est mon chéri qui me filme. Du coup, au cas où s'il y a un souci, lui, il pourra intervenir et récupérer avec la longe Bibi. Si, voilà, au cas où, hein, on garde vraiment toutes nos précautions. Je tiens à préciser avant de commencer que ce que je fais, ne le faites pas forcément, en tout cas, ne le faites pas seul. Moi, j'ai quelqu'un avec moi s'il arrive quelque chose. On est dans un chemin où, du coup, il n'y a pas de voiture, donc moins de risques. Mais voilà, il faut vraiment prendre vos précautions. J'aurais même dû prendre un casque, chose que je n'ai pas fait. J'aurais dû quand même, parce que même si je suis à terre, si j'ai un tombé, je n'ai pas de protection. Mais voilà, je tiens à le préciser que si vous voulez tenter ce genre de choses, faites-le avec un cheval ou un poney que vous connaissez, que vous avez l'habitude de travailler et non pas avec votre cheval de club ou autre. Et vraiment être accompagné et faire progressivement en fait, pas partir avec un cheval que vous ne connaissez pas et faire ce genre de choses. Donc voilà, j'ai prévenu, c'est le petit aparté. On va commencer progressivement les longues rênes avec les rollers et j'espère que ça va vous plaire. Non, non. Bibi. Non. Non. Tiens-la. Tiens-la. Non. Tranquille. Bibi. Tiens-la. Tranquille.
Alors non, je n'ai pas pleuré. Regardez mon pauvre Bibi. Il est détrempé, je le suis également. On vient de rentrer, il n'y a rien qui allait, il n'y a rien qui était avec nous. On s'est pris déjà une rincée en partant et pendant la vidéo, il y a de nouveau eu une grosse averse et on s'est pris mais une rincée. Quand on est reparti, j'étais trop stressée, Bibi était trop stressée aussi. Il y avait pas mal de vélos, de bruit ou autre, on avait des vaches qui étaient autour de nous. Ça n'allait pas, je n'étais pas confiante, Bilbao l'a ressenti et du coup était stressée également. Donc j'ai préféré stopper, voilà, de pas me mettre en danger ou mettre Bilbao en danger également. Donc voilà, je suis un peu déçue. Peut-être une prochaine fois on retentera quand tous les éléments seront réunis pour que ça se passe bien. Bon, je suis quand même contente de Bibi, il a été quand même très sympa malgré voilà qui bah, en fait c'est de ma faute, en fait c'est parce que j'ai été trop stressée, trop eu peur de tomber ou de le lâcher qui a fait qu'il a ressenti ma crainte et voilà. Donc je ne sais pas si cette vidéo sortira, si vous la voyez, si vous m'entendez, c'est qu'elle est sortie, mais voilà, je vais arrêter ici. Peut-être qu'on retentera une prochaine fois ou soit on retravaillera déjà avec Bilbao pour qu'il soit beaucoup plus serein au niveau des bruits extérieurs et on retentera l'aventure. Donc voilà, je vais vous laisser et je vous dis à la prochaine. Salut !